Donc la langue ottomane est beaucoup plus compliquée que l'arabe et le persan. Le persan, c'est la langue la plus facile pour nous parce que Mais je sais qu'il y a des termes qui sont restés dans les langues actuelles. Le paradis, c'est le persan. Oui, oui, il y a plein. C'est indo-européen. Une langue indo-européenne, donc il y a beaucoup. C'est plus facile, la grammaire. Mais moi, je connais, j'ai oublié complètement le persan. Si, je connais comme quand je l'ai. Même en hôtel, on a le couscous, mais c'est pas comme ça. C'est pas l'officier. Et à la maison, regardez, ça c'est le vrai couscous. Le vrai couscous. Allez, encore. Bon, on n'attend pas les autres. Et bien. Et les autres? Et à une Algérienne musulmane. Alors parfois, avant, il faisait beaucoup plus de fêtes et c'était des festins comme ça, des couscous énormes, hein, comme nous parlons. Le couscous. Ouh. Voilà. Merci. 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 Ah, voilà les filles à Z. Merci beaucoup. Merci. Miaou, miaou. Ah, je me suis trompée. C'est piquant. Après, c'est piquant. Le poivron. Ah, le piment. Je savais pas que c'était ça. Merci. C'est fort. Oui, je veux garder ce bon souvenir de vrai couscous fait dans la maison de Benkir marocaine et Saïda. Voilà, c'est qui l'a préparé en fait? Toute seule? Bravo! Merci. Félicitations. Où est-ce qu'elle a appris? C'est le chat. Il y en a qui disent que c'est bon le chat. Oui. Le chat. Mais les Italiens ont fait des chats. On nous disait chats. C'est vrai? Elle mangeait des chats? Alors, quand vous êtes petit, vous faites cette place. Mais tu sais, au nord de l'Italie, il y avait une femme qui avait voulu. Oh, d'accord, pour les natales. Et son fils qui avait mon âge, moi je voulais bien aller. Vous venez au sort. Et alors, quand vous savez que cette femme est là, moi je voulais très aller jouer avec cet enfant parce que j'aimais voir tous ces chats. Et alors, elle avait une maison pour elle. Quand j'étais de la maison, j'ai vu qu'il était en train de cuisiner le chat. Et je suis parti en cours. Oui, oui. Oui, oui. Je voulais les voir. Eh bien, oui. On est régalés. Ils sont bonnes, les pastèques ici. Mmh. Regarde la couleur. Ils sont bonnes, ces pastèques. Ils mangent beaucoup à la poésie. Ça, c'est une question de chance. Je veux dire, c'est des fruits, des salades, des choses comme ça. Mais je vais le faire Oui,
C'est tout en arabe. Mais vous aussi, vous devez venir. Oui, alors c'est difficile pour vous. C'est difficile. Alors. Parce que Luana me disait aujourd'hui, mais moi je vais peut-être aimer, on va peut-être acheter une maison ici. Habite avec nous. Choukran. J'aime beaucoup les chats. J'adore les chats. Mais les méchants, c'est pas. Ils sont sauvages. Les méchants. Ils sont marrants. Ils sont captifs, oui. Ah si. Ils sont petits. Il y en a beaucoup. Depuis deux mois, il m'a mordi. Un chat m'a mordi. Mais lequel? Oui. Le roux? Non, c'est pas ça. Ah, c'est un autre. Ah, il m'a mordi à la main. C'est un mâle ou c'est une femelle? Homme ou femme? Homme. Ah, ils sont méchants. Normalement, ce sont les femelles. Non. Hein? Ce sont les femelles qui mordent. Les femelles sont dangereuses de n'importe quelle race. Pour les hommes des chats, je les vole. Toi aussi, tu as des chats?